Nang's Reborn. Wow! Bonjour Fraser, bienvenue sur Suborn. Nous sommes de retour pour une vidéo hors du commun. Mais d'abord, j'ai une question à vous poser, mes frères et sœurs. Dites-moi, que feriez-vous si vous aviez beaucoup d'argent à ne point finir? Quelle serait votre réaction? Ha! En tout cas, ici, dans ce que je vais vous montrer là, nous voyons une jeune influenceuse qui croque de la thune. Et oui, beaucoup d'argent. Mais regardez, elle fait le buzz actuellement. Et elle s'appelle comment? Tout à l'heure, elle va nous dire son nom. Vous risquez d'être surpris. Mais regardez ce qu'elle a été faire. Ce qu'elle a été faire déjà nous indique sur ce qui elle est en réalité. Apparemment, elle aurait reçu même un prix pour ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Et pas seulement ça, pour son soutien envers les gens, ses abonnés, parce qu'elle fait aussi beaucoup de dons. Elle est ici, elle-même va se présenter. Écoutons-la. Déjà, je me présente. Je m'appelle Croqueuse Petitiamant. Comme mon nom le dit, Croqueuse, je croque uniquement le diamant. Quoi? Sérieux? Regardez ces dents, sérieux. Il y a du diamant à l'intérieur. Mais c'est hors du commun. Est-ce que vous avez entendu ça? Écoute encore. Déjà, je me présente. Je m'appelle Croqueuse Petitiamant. Comme mon nom le dit, Croqueuse, je croque uniquement le diamant. Incroyable! La fille nous dit qu'elle, elle croque uniquement le diamant. Mais c'est quoi le diamant exactement? Qu'est-ce qu'elle appelle le diamant? Qu'est-ce qu'elle appelle le diamant au juste? Est-ce que c'est vraiment ça? Vous voyez ça? Est-ce que c'est vraiment ça? La thune, l'argent. Elle dit l'unique croqueuse de diamant. Et oui, elle dit qu'elle est l'unique croqueuse de diamant. Waouh, vous voyez ça? Money, l'argent. Ouais, money. Beaucoup d'argent sur eux. Beaucoup d'argent. Mais regardez, vous voyez ça? Ça, c'est quoi? Vous voyez vous-même ce que c'est. Ah là là, ah là là. Mais si elle se contentait seulement de nous montrer qu'elle a beaucoup d'argent, ça n'est pas tellement nous étonner parce qu'on a l'habitude de voir ça. La chose la plus extraordinaire qu'elle a faite récemment, c'est de se rendre sur la famille de la célèbre TikTokeuse Madame Cooper qui est décédée récemment. Arrivée là-bas, elle a fait un geste. Elle a donné 1 million pour soutenir cette famille. Regardons ça! Vous voyez ça? Vous voyez ça? Elle allait donner de l'argent pour soutenir la famille de Madame Cooper. On dit que justice soit faite pour Madame Cooper. J'apporte mon soutien. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est elle-même qui a dit ça.
C'est elle-même qui a écrit ça. Vous voyez ça? Et elle apporte réellement son soutien. Vous voyez, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas des paroles parlées, mais vous pouvez voir de vous-même. Voilà, c'est là devant vous, sous vos yeux. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Si c'était le seul geste qu'elle avait fait, on a dit que oh, c'est juste pour blaguer. C'est juste pour impressionner les gens. C'est juste pour se faire voir, ou bien pour profiter de la situation de la disparition de Madame Cooper. Mais regardez ça! N'aie pas peur! Donnez le sac à la mère, la coqueuse, c'est le moment! Les gens ont été échappés sur nous. Vous voyez ça, elle a dû chanter son nom. Elle va commencer à faire sortir beaucoup d'argent de son sac pour le leur donner. Elle fait le buzz en ce moment pour ce qu'elle fait. Vous voyez ça, elle fait le buzz pour ce qu'elle fait. Elle a de l'argent, elle donne de l'argent. Voilà, le travaillement, les gens sont autour d'elle, vous savez. Quand vous avez de l'argent, tout le monde est derrière vous. C'est quoi, c'est... Vous voyez? Incroyable. Mais, ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? On le voit encore partout. Comme ici, dans cette cérémonie. En train de jeter de l'argent, vous la voyez, c'est elle qui est en bleu juste ici. C'est un truc hors du commun. Regardez bien ça. Tellement elle a donné beaucoup d'argent, hein? Des millions. Le gars lui a dit non, non, attends, ma chérie, pardon, merci, c'est bon, c'est bon. Regardez, regardez ça. Ah. Ça finit pas. Elle donne seulement pour le gars. Non, c'est bon, ma chérie, tu es jolie. Regardez, vous voyez ça. Un être humain. Tellement c'est étonnant, hein, que cela a commencé à susciter déjà la réaction des gens. Les gens disent que c'est pas possible, c'est pas réel, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ça. Et sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à parler, les gens ont commencé à réagir. Écoutons cette réaction. Un être humain qui gagne son argent dignement ne peut pas partager l'argent sur internet comme ça. Elle a farouté 2 millions de francs, c'est Faouga qui chante l'andéo, machin. Elle a farouté 400 000 à un autre groupe de musique. Elle est partie faire les dons de 2 millions de francs CFA à l'hôpital général. Elle est sur Snap, sur Facebook. Elle partage l'argent en désordre. Personne ne se pose les bonnes questions. Je me demande dans quel pays on est. Vous avez entendu sa réaction? C'est bizarre. C'est étrange. L'argent chez Thierry. C'est très très étrange. Écoutons encore l'autre chose. Je parle pour que Croqueuse de Diamants vienne donner ma part d'argent. Je dis, il y a quoi ici dedans? Une fille qui a ouvert une page le 28 février est en train de partager l'argent à tout le monde. Vous ne vous posez pas les bonnes questions.
Elle travaille où? Elle fait dans quoi? On sait qu'il y a les influenceuses, on sait qu'il y a les esthéticiennes, on sait qu'il y a les prothésistes, on sait qu'il y a des ingénieurs, on sait qu'il y a des si. Mais elle, personne ne sait ce qu'elle fait dans la vie. Elle a une page de cosmétiques qui fait moins de 30 likes par publication. S'il vous plaît, expliquez-moi où est-ce qu'une fille comme ça là, a pris l'argent. Subitement, elle apparaît que vous... Ça étonne. Ça étonne, non? Et jalouse. Ça étonne. Vous voyez tellement elle est surprise et étonnée qu'elle s'est mise à parler. Elle a parlé d'ailleurs aussi, on commence à dire que oh toi là, tu es jalouse, tu es jalouse. C'est la jalousie. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Et regardez ce qu'on lui a dit. Oui, tu es juste jalouse d'elle. Si Dieu te donnait aussi les moyens, tu allais mettre le goudron dans ton village. Vous voyez ça? Vous voyez ce qu'on lui dit? On lui dit, oh, toi la foufou de terre, tu es juste jalouse. Si Dieu t'avait béni, là, tu allais faire aussi la même chose. Vous voyez ça? Et on va écouter sa réaction. Tu es jalouse d'elle. Si Dieu te donnait la moyenne, je suis allé mettre le goudron dans ton village. Vous êtes désespérant. Ma sœur et la panthère a dit une fois, on met le miroir devant vous, vous refusez de vous regarder à l'intérieur. Heureusement que je ne suis pas la seule à poser les questions là. Il y a des journalistes importants déjà qui sont en train de demander la même chose. J'ai vu Claudie Sia qui a posé la question, j'ai vu Kidjara qui a posé la question, et plusieurs blogueurs qui ont posé la question, même si c'est ironiquement, ils ont posé la question. Oui, on dit qu'elle est fondatrice d'un établissement et qu'elle a une marque de cosmétiques. Qui utilise sa marque de cosmétiques? Vous en connaissez? Elle est fondatrice d'un établissement, sachant comment ça se passe, qu'il faut payer des enseignants privés, dont les promoteurs d'établissement sont richissimes à ce point où, en une semaine, ils gaspillent plus de 10 millions pour faire des cadeaux aux gens. Waouh! Question! Mais elle n'est pas la seule à se poser des questions. Elle n'est vraiment pas la seule. Les gens s'étonnent, se disent, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Écoutons qu'on a une réaction. C'est parti. Apparemment, il y a une nouvelle influenceuse au Cameroun qu'on appelle Croqueuse de Diamants. Elle croque les diamants, la vraie vraie. La go a farouté 2 millions à Fadi le sorcier, celui qui chante l'an de l'eau. Elle a farouté les joueurs, les gens qui jouent la bille là dans les mariages, dans les événements, qui tapent les tam-tam là. 400 000. On dit que les gars ont fait une semaine, ils n'ont pas chanté, ils ne sont pas sortis de chez eux. Parce que ça faisait longtemps, parce qu'ils n'ont jamais eu le genre de farotage là. Waouh! Elle allait donner 1 million à la famille de Madame Coupa, à la maman de Madame Coupa. Elle a fait les dons ce week-end à l'hôpital à Quintini. Sur son Snap, tous les jours, elle partage l'argent. Donc elle, c'est l'influenceuse de l'argent. Apparemment, c'est l'influenceuse de l'argent. Elle partage seulement l'argent. Il y a même une fille qui m'a écrit ce matin que plus faut, tu ne connais pas la fille là. Donne-lui mon orange, mon diable, il fait même un dépôt de 400 000. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ah. Et c'est pas de la blague. Ouais. Les gens se cherchent dans le pays. Et ils voient cela une belle opportunité pour se faire de l'argent. Ah. Même si c'est vous. Quelle serait votre réaction? Écoutons ça encore. Voilà les gars, depuis quelques temps, je marche partout sur les réseaux sociaux, soit sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Je tombe toujours sur le même nom. On l'appelle encore qui là? Croqueuse de diamant. C'est qui encore? Moi-même, je sais que c'est qui. Pardon, si tu as l'argent de nous donner aussi, on peut dire ça. N'est-ce pas? Ça va te dire ça. Il dit, pardon si tu as l'argent, viens nous donner où? Écoutez ça encore. Voilà les gars, depuis quelques temps, je marche partout sur les réseaux sociaux, soit sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Je tombe toujours sur le même nom. On l'appelle encore qui là? Croqueuse de diamant. C'est qui encore? Moi-même, je sais que c'est qui. Pardon si tu as l'argent, viens nous donner aussi, on peut dire ça. N'est-ce pas? Waouh! Vous voyez ça? Les gens veulent sa thune.
c'est pas de la blague, les gens ont besoin de sa thune, sérieux. C'est hors du commun. Mais elle a quand même certaines personnes qui la soutiennent. Écoutons ça. Depuis sur la toile, on comprend que les diamants passés, que les diamants par là, que les diamants montés, que les diamants descendus. Apprenez à respecter les gens. Respectez le nom des gens. Le nom, on ne peut pas prononcer n'importe comment. Prononcer ça avec respect, avec élégance. Vous voyez que c'est tout le monde qui se lève un matin et décide de partager l'argent à quelqu'un, aux gens, à aider les pauvres, à aider les ceux qui en ont besoin. C'est pas n'importe qui. Vous êtes plein ici sur les réseaux sociaux. Vous dites que oh, c'est de l'argent sale, c'est de l'argent monté, oh, l'argent de quoi, le blanchiment, c'est monté, c'est descendu. Vous êtes dans le eBay. Je vous lis. Je regarde les photos de chacun. Quand tu me demandes l'air de là, je regarde ta photo. Et je te connais. Et tu es sur TikTok. Comment tu viens en commenter quand tu viens voir un poster où on appelle. Oh, pour que j'aime, je lis. Je vois que c'est toi qui insultes. Mais tu es dans son eBay. Je vais vous afficher. Vous avez retenu ça? Il dit qu'il y a des gens qui parlent mal d'elle. Qui disent que son argent, ça vient du diable, c'est quelque chose de bizarre, c'est autre chose. Mais ces gens après se retrouvent en train de lui demander de l'argent. C'est un truc hors du commun. C'est un truc hors du commun. Maintenant, nous venons de découvrir une personne qui a décidé de nous faire des révélations sur Coqueuse de diamants. Est-ce qu'elle la connaît vraiment? Écoutons ce qu'elle va dire quand même. Bon, je te donne l'information là-dessus. Coqueuse de diamants, de son vrai nom, elle s'appelle Saëla. Elle a une boutique d'Abipanda, Shadai. Elle vend des produits pour monter les fesses et les seins, les produits de prise de poids. Je te rappelle une fois, je t'avais conseillé ça. C'est elle. Elle fait les choses, elle dit qu'on ne la connaît. Elle a pris l'argent, son petit scam à qui lui donne l'argent. Peut-être qu'elle est ancrée dans la réunion. Ça va aller. Elle se lève un matin. Elle a d'abord changé. Elle a changé son petit studio où elle habite là. La petite boutique là, elle a commencé ça avec l'une de ses sœurs. Bon, elle n'est même pas seule. Elle n'est même pas la propriétaire. Elles sont deux donc. C'est qu'elle sort, de nulle part avec l'argent qu'elle partage là. Quand ça va prendre sa tête, elle va y aller. Elle s'appelle Saëla, moi elle a nom bien. Elle dit sort de que Coco, c'est que coqueuse de diamants. Elle sort qu'elle achète des grands jours de 80 millions. Elle a l'argent. Son petit ping-pong qu'elle fait là, bientôt ça va. Le vrai visage va sortir. Mais quand on entend ça, on a l'impression que c'est la jalousie, hein? On a l'impression que les gens sont jaloux. Les gens sont jaloux, on dirait. On dirait que les gens sont jaloux, hein? Vous voyez, de toutes les façons, l'être humain, que tu sois bon ou que tu sois mauvais ou, il ne va jamais t'apprécier. Même si tu es gentil, il ne va jamais t'aimer. Donc, qu'est-ce que nous on va faire? Qu'est-ce que nous on va dire? Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Mais l'une de ses amies a décidé de réagir aussi. Écoutons. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Depuis quelques jours, la croqueuse de diamants que voici vous fait tellement parler, vous fait tellement... Je sais pas, il y a d'autres qui rêvent, d'autres qui dénigrent, d'autres qui disent du n'importe quoi. Franchement, ce que je vous dis, c'est que arrêtez de vouloir fouiller dans la vie des gens. Chaque personne sait ce qu'il vit. Arrêtez! Waouh! Arrêtez de pouvoir. Arrêtez de fouiller de la vie des gens. Chaque personne sait ce qu'elle vit en réalité. Ça veut dire quoi? Elle dit que si vous pensez que elle a fait quoi que ce soit pour devenir riche, c'est son problème. Vous voyez, non? Est-ce qu'elle veut dire comme ça? Oui. En toute façon, les gens continueront à parler parce que elle a l'impression que les gens sur les réseaux sociaux avec son argent. Regardez. Vous voyez ça?
Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est la chanson qu'elle est en train d'écouter. Elle monte encore l'argent et tout ça et tout ça. C'est ce qu'elle fait en gros sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas tout. Vous voyez encore ça? Elle dit elle n'a pas le temps pour la haine et la mauvaise énergie. Elle est en mode argent. Elle est en mode argent. En mode argent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en mode argent? Chant. Elle est venue sur les réseaux sociaux. Elle est venue sur les réseaux sociaux avec un nouveau style. Les gens, son style, c'est de partager de l'argent pour faire le buzz. Voilà. Mm-hmm. Pour attirer genre, le regard des gens. Vous voyez? Vous voyez ça? En général, on voit les influenceuses avec les trucs pareils. Elles se montrent, elles montrent les sacs très chers tout le temps. Mais elle partage de l'argent en plus de cela. Vous voyez ça? Aïe, 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 aïe! Que pouvez-vous dire de cela maintenant? Quelle est vous votre conclusion? Quelle est vous votre conclusion? Parce que ça devient du lourd! Vous voyez ça? Elle fait son show avec sa Range Rover. On nous dit que c'est une Range Rover nouvelle. Elle aurait acheté à 80 millions. De France CFA. Vous voyez ça? Et elle fait son show. Aïe, aïe, aïe. Comment l'envier? Puisqu'elle partage de l'argent aux gens. C'est difficile de la détester aussi. Et tout le monde est impressionné par cette jeune fille de 22 ans. On nous dit qu'elle aurait 22 ans. Vous voyez, il y a déjà une équipe derrière elle, une équipe qui la suit, tout est bon, bon. Voilà. Mais on ne sait pas en réalité quelle est la source de tout son argent. Quelle est la source de tout son argent? Si vous prenez à prendre l'argent de quelqu'un dont vous ignorez la source, sérieux? Si vous prenez, question! Telle est la question que l'on se pose. Mais de toute façon, elle avance en direct. Regardez! Elle aurait eu un trophée, un nouveau trophée aujourd'hui et elle est contente. L'UDM, elle a remporté le prix de la meilleure fiancée. La croqueuse de diamants. La croqueuse de diamants. La fille pour qui la femme n'a plus de prix. Sazé le prix. Oh, waouh. Oh, waouh. On espère que sa joie va durer longtemps. On espère que sa joie va durer longtemps. Vous voyez? Et nous allons maintenant l'écouter. Elle va nous dire quelque chose sur sa stratégie. Écoutons-la. Ici la croqueuse de diamant. Passez mon message à vos soi-disant influenceuses. Vous vous dites être influenceuse, mais quand vos femmes vous demandent de l'aide, vous êtes incapable de les aider. Tout ce que vous savez faire, c'est de vendre le rêve, de leur montrer que vous vivez la belle vie. Vous vous dites être influenceuse, mais quand vos femmes vous demandent de l'aide, vous êtes incapable de les aider. Tout ce que vous savez faire, c'est de vendre le rêve, de leur montrer que vous vivez la belle vie et tout. Par contre, moi, la croqueuse de diamants, oui, je vis la belle vie. Oui, j'ai de l'argent. Mais, je fais quoi avec? C'est ça la question. C'est vrai, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Mais quand tu te dis déjà être influenceuse, ça veut dire que tu as l'influence sur beaucoup de jeunes. Donc, tu dois être un exemple. Avec cette influence, tu peux aider des personnes qui veulent se battre, des personnes qui veulent réaliser quelque chose, qui veulent faire quelque chose.
Vous avez entendu ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? Vous avez entendu ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? Elle est obligée de nous dire par là que, avec ce qu'elle a là, elle essaie de faire son possible pour quand même aider les gens. C'est vrai, elle vit la belle vie, mais elle ne veut pas vivre cette belle vie là seule comme les autres influenceuses. Contrairement aux autres influenceuses, elle, elle aide les gens. Et elle aide les gens sérieusement. Et quel est son nom? Écoute encore. Je m'appelle Croqueuse de Diamant. Comme mon nom le dit, Croqueuse, je croque uniquement le diamant. Waouh! Maintenant, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. J'ai découvert ça et j'ai décidé de faire une vidéo pour vous. C'est un truc qui fait le buzz, c'est étonnant, c'est surprenant. Elle partage l'argent aux gens, on nous dit que oh, elle donne de l'argent aux gens, dès que tu viens, tu lui donnes ton numéro, elle t'envoie de l'argent, juste comme ça, juste comme ça. Donc chacun est en train de préparer ses son bagage pour aller chercher sa thune. Vous connaissez un peu les humains, non? Lorsqu'il y a l'argent, il court pour aller là-bas. Ah. Mais quand l'argent finit, il commence à fuir. Et se mettre à parler du mal de toi maintenant. Alors qu'ils étaient prêts, pressés pour le bouffer ta thune. Et ils l'ont même bouffé. C'était hors du commun. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et maintenant, j'aimerais vous dire, vous pouvez, si vous avez des doutes sur l'origine de son argent et que ça vous intéresse vraiment, parce que vous voulez aller prendre son argent, je vous dis, priez, demandez à Dieu de vous montrer l'origine de son argent. Là, si Dieu vous montre que derrière elle, c'est vraiment quelque chose de bon. Bon, vous allez aller prendre son argent. Sinon, si vous avez des doutes, laissez-la là où elle est, dans ce qu'elle est en train de faire. Le monde est grand. Il y a un milliard de personnes sur la terre. Intéressez-vous à toute personne si elle ne vous intéresse pas. Laissez-la tranquillement dans son game. Mais vous, faites très attention. Sachez ce que vous êtes en train de faire. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est ceci. Écoutez très bien ce qu'elle vous dit. Il y a quelques semaines, il y a eu un songe. Ouais, non. J'étais endormi. Oui, dans ce songe, je me suis retrouvé quelque part. Boum! Dans mon sommeil. Ouh! Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Où suis-je? Je regarde. Et qu'est-ce que je vois? Je vois la pousse, les ailes. Ouais, non. C'était bizarre. Et moi, j'étais arrêté dans cette pousse-là. Parce que derrière se trouvait. C'est ouvert, j'ai une maison. Je me suis retrouvé là comme ça. Et à côté de moi se trouvait un monsieur qui faisait un petit commerce. C'était un petit commerçant. Genre, il vendait le truc de portable. Vous voyez, non? On va dire les habillages portables, les gens qui poussent les bourrettes avec le habillage portable, les gens de chevaux, un peu. Voilà. Et tout à coup, pendant que nous étions arrêtés là, une femme est venue à côté de moi. Oui. Une femme est venue à côté de moi, je ne sais pas c'est qui. Mais la fille là, il me semble qu'elle et moi, on se connaissait. Voilà. Et on causait. On causait. Quand la fille. Elle a regardé le vendeur et elle a décidé de soutenir son business, de soutenir ses affaires. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert son sac à main et elle a fait sortir de son sac à main 1 million pour soutenir le business du gars. Ah! J'étais étonné. Je n'ai rien compris. Ils disent, ah, Wooly, 1 million sur eux. Ils m'ont mis de l'attraper, ils m'ont mis de l'attraper, il y a quoi? Qu'est-ce que se passe-t-il? Mais, ça m'a impressionné. J'ai dit, mais, ah, moi, j'ai fait aussi quelques gestes pour les gens. Mais, c'était pas comme ça. Elle a dépassé le niveau et j'étais étonné de savoir qu'elle avait fait ça. Voilà. Mm-hmm.
Et je me posais la question, je me posais la question aussi de savoir, mais d'où est-ce que ça vient son argent? C'est à ce moment-là que l'esprit m'a montré derrière elle. Derrière elle se trouvait un royaume. Vous voyez, non? Un royaume. On va dire que Jean, elle est issue d'une famille riche. Des gens très riches. Et leur maison, là, c'est un manoir, c'est un domaine, c'est totalement gigantesque. On va dire c'est comme tout un quartier. Et puis, ils ont construit, c'est leur maison là, qu'elle a. Toute leur maison, c'est tout un quartier. Je dis, ah, si elle est issue d'une famille aussi riche, c'est que faire sortir 1 million comme ça pour soutenir un gars, sans doute que ce n'est rien pour elle. Ce n'est rien pour elle. Et ça m'étonnait quand même que malgré beaucoup d'argent qu'elle avait, elle était arrêtée au même niveau que moi, dans la bourse. Au même niveau que le gars qui est en train de vendre ses articles. Ça m'a étonné. J'ai dit, mais ah, elle est humble quand même, elle est aussi, elle est quand même humble. C'est vrai, elle sort d'une famille, elle vient d'une famille riche, mais elle est quand même humble. Ça m'a étonné, ça m'a aussi surpris. Vous voyez, non? Et quand j'ai vu cette jeune fille, ça m'a rappelé rapidement ce songe qu'il y a eu il y a quelques semaines. J'ai dit, mais waouh! 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 Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je préfère m'arrêter là. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je ne sais pas. Vous voyez, non? Je ne sais pas. Je vois des choses dont j'ignore le sens. Je vois des trucs quand je me suis rendu, je suis endormi. Mais je ne sais pas ce que. Qu'est-ce que ça veut dire? Donne même envie de tousser. Bon, ok. Vous pouvez me dire ce que ça veut dire. Pour les gens très intelligents. Et allez ça en commentaire et dites-moi tout. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime. Vous voyez? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo aussi. Et c'est pour la prochaine vidéo sur bon. Que Dieu vous garde. Que Dieu veille vous moi sur nous. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, dans la description se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire les dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à toutes les personnes pour nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre bonne. Soyez prêts!